L'article, la parole est à Madame Martin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous commandez donc un énième rapport pour connaître les différences de montants de pension avant et après la réforme dite Borne. Je vous invite tout simplement à relire nos échanges et vous pourrez tout simplement faire les deux constats suivants. Celles qui seront victimes de cette réforme sont avant tout les femmes. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui ont les salaires les plus bas. 27% d'écart avec les hommes. C'est absolument inacceptable en 2024 dans un pays comme le nôtre. Ce sont elles qui ont les carrières les plus hachées. Idem pour ce qui concerne les ouvriers et les employés qui seront les deuxièmes, les secondes grandes victimes de cette réforme des retraites puisque c'est eux qui ont les salaires les plus bas et puisque d'une façon commune et partagée, vous avez refusé l'augmentation du SMIC. Inutile de commander un énième rapport. Merci Madame Martin. Madame Taillé-Polian.